jasais avec lui pendant le bloc publicitaire. Il est en forme, mais il est à Montréal. Hein? Fait qu'il vit tous les déboires que Montréal amène. Salut, Fred! Salut, Pascal! Hey, c'est pas facile de votre côté, c'est ça, côté circulation? Oh là là! Ben, circulation, c'est un grand mot, hein? Je sais pas si on peut dire qu'on circule à Montréal. Moi, ce que je sais, c'est que je tourne en rond depuis 9h ce matin. Avec je traficote entre les cônes oranges. Et puis voilà. Essayez pas de nous contaminer, s'il vous plaît, Fred. Non, j'oserais jamais. Mais moi, je suis pas Montréalais comme tel, hein, si j'essaie de me faire apprécier de ton auditoire. Là. Moi, je suis un gars de région pure et dure qui fait son mieux à Montréal de temps en temps. On est content de t'avoir dans l'heure, CV. Merci. Surtout, on s'est écrit hier parce qu'à un moment donné, on pouvait pas passer à côté de ce qui était l'enjeu principal ces temps-ci, tout ce qui se passe du côté d'Israël, de la Palestine avec le Hamas, les violences accrues, la tension qui ne cesse d'augmenter dans les 4 derniers jours. On va en parler, mais juste avant, j'avais envie d'aller explorer avec toi ce qui se passe aussi pour MindGeek, Pornhub, qui fait encore l'actualité parce que, bon, rappelez-vous, on avait trouvé de la pornographie juvénile sur le populaire site de Pornhub, un site hautement fréquenté, et il y avait eu des signalements jusqu'au moment où on a été capable de dire, là, prenez vos responsabilités, ça n'a plus de bon sens, pourquoi il y a ça sur le site? Et on se demandait comment ça avait pu être, puis je me souviens, là, ça fait au moins 3 ans qu'on est là-dedans, comment ça avait pu être un enjeu du fait que tu es supposé en tant qu'entreprise régulée ce qui se trouve sur ton site, et eux se défendaient en disant, il y a tellement de vidéos qui sont downloadées par les gens extérieurs qu'on ne réussit pas toujours à tout voir ce qui se passe. Puis c'est un peu remettre la faute entre les mains des utilisateurs puis de ceux qui contribuent au site Internet. Mais là, tout le monde s'est affolé autour en disant, ben voyons donc, la responsabilité vous appartient. Vous êtes une entreprise privée. Au dernier jet de ce qu'on a appris, c'est que les dirigeants montréalais de Pornhub étaient bien au fait de la présence de pornographie juvénile sur leur populaire site 3X. Puis là, ils se sont abstenus jusqu'en avril 2020 de le déclarer aux autorités. T'en penses quoi, toi, de cette responsabilité d'une entreprise privée? Bien, que c'est dégueulasse, hein, dans un premier temps. Puis si tu te souviens, on s'était parlé de ça quand c'était sorti, comme tu dis, il y a quoi, 3 ans peut-être? Oui. Et moi, je me souviens vaguement, mais je suis assez convaincu que je t'avais dit un truc du genre, il pourra y avoir des poursuites, notamment des actions collectives, hein, parce qu'il y a des gens qui... nécessairement se retrouvent sur ces vidéos-là qui ne devraient pas y être. Là, il n'y a pas la question du consentement là, qui est assuré. Et puis, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a une action collective qui a été déposée en Californie. Basée sur quoi? Ben, basée sur, un, le fait que quand même que tu n'étais pas au courant, c'est quand même de ta responsabilité de savoir qu'est-ce que tu diffuses. Hein? L'espèce d'argument de défense de MindGeek pendant longtemps, c'était de dire, exactement comme tu viens de l'expliquer, ben je sais pas, il y a trop de trafic, je peux pas tout gérer. Tu sais, ça, c'est un peu comme si, je sais pas moi, Télé-Québec, Radio-Canada, TVA ou peu importe quoi, ou leur site web qui diffuse beaucoup de trucs, disant, ben là, on n'a pas de contrôle sur absolument tout ce qu'on met en ligne. Un instant, c'est ta responsabilité comme entreprise, et là, ce qu'on apprend, ce que tu viens de nous dire, c'est encore 1 million de fois plus grave. C'est que vous étiez au courant. Donc, toute votre défense que vous nous avez baratinée depuis tout ce temps-là, c'était de la frime. Alors là, très clairement que ceci vient de donner un sérieux coup de main à l'action collective dont on parle, et j'aurais tendance à te dire ceci, là, on est rendu les deux pieds dans la responsabilité criminelle, là, bien au-delà des dommages et intérêts et d'une poursuite civile, il pourrait y avoir des accusations en vertu du Code criminel canadien. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme accusation qui pourrait être portée côté criminel à cette entreprise-là? Bien, très clairement, il y a des questions de pornographie juvénile. Hein. Ça, c'est la première qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a aussi des trucs de trafic d'influence? Ça, c'est possible également. Hein. Est-ce que ces gens-là en savaient encore plus que ce qu'ils nous disent actuellement? On va donc savoir. Évidemment, ça prendra des enquêtes appropriées. Mais sur la question de la pornographie juvénile, ça me semble faire absolument aucun doute. Est-ce qu'il y a aussi peut-être des questions de proxénétisme? Ça, c'est pas impossible. Hein. Ces filles-là, ces mineurs-là, ils les ramassaient où? Comment? Qui diffuse ça? Est-ce qu'ils ont... Puis là, je lance des hypothèses, évidemment, tu auras compris que j'ai aucune preuve, mais est-ce qu'il y avait des chasseurs de tête, entre guillemets, pour faire ce travail-là? Ou c'était simplement des kidams qui déversaient ça, là? C'est ça. Je sais pas, je connais pas le milieu, puis je m'en tiens loin, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'organisé derrière ça? Peut-être que oui, auquel cas, là, franchement, ça devient drôlement sérieux. Puis moi, je pense que
il y a des accusations criminelles qui devraient être portées. On sait que hein, au civil, il y a ce qu'on appelle une prescription. Donc, après un certain temps, on ne peut plus agir. Quoique en matière de violence sexuelle au Québec, ça a été abrogé récemment. Mais en matière criminelle, ce qu'on sait ou ce qu'on doit savoir, c'est qu'il n'y en a pas de prescription. En d'autres termes, les accusations pourraient être déposées dans un an, dans 6 mois ou dans 10 ans. Il y a quelque chose d'important aussi à mentionner, c'est que la procédure judiciaire a été initiée. Bon, c'est une femme qui le fait. Elle a découvert des vidéos qu'elle avait lorsqu'elle avait 16 ans qui se sont retrouvées sur Pornhub à son insu. Donc, des vidéos qu'elle ne souhaitait clairement pas que ce soit sur ce site-là. Est-ce que pour le recours collectif, ça comprend seulement les gens qui sont visés dans certaines vidéos qui ont été mises sur Pornhub à leur insu, ou encore ça pourrait comprendre tous ceux qui se sentent bernés, leurrés dans... ce qu'on leur offrait, en fait, sur le site web, qui devait être sécuritaire et non criminel? Bien, tout dépendra de la manière avec laquelle la procédure a été rédigée. Est-ce qu'on ouvre les valves, entre guillemets, ou c'est plutôt relativement pointu? Évidemment, si c'est relativement pointu, ça devient plus difficile. Mais si le recours est, rédigé de manière très large et a été autorisé comme tel, bien là, à ce moment-là, n'importe qui, comme tu dis, qui se sent leurré par Pornhub, que ce soit en termes de consentement ou autre, pourra se joindre là, très aisément, bien au-delà du fait que ce soit des mineurs. Oui, parce que ça risque d'être assez gros si c'est le cas. Par exemple, si moi j'étais grande consommatrice de ce que Pornhub offre comme contenu, bien, je serais complètement estomaqué de savoir que pendant que j'y naviguais, on aurait pu me proposer des choses à mon insu en n'ayant pas validé que la personne que je regarde, elle est majeure, puis je pourrais me sentir heurtée par ça et je pourrais faire partie d'un recours collectif. C'est une entreprise qui a énormément d'argent, qui fait partie d'un grand regroupement qui s'appelle MindGeek en ce moment. On le sait, Action collective qui est déposée aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait faire de même au Québec? Ah, bien sûr, absolument, surtout que, on le sait, Pornhub opère du Québec en bonne partie, de ce que j'ai compris. Ses dirigeants, en bonne partie, encore une fois, sont Montréalais. Maintenant, évidemment, pour joindre ou pour créer ou provoquer une action collective, il faut que tu sois lésé, il faut que tu sois victime. Est-ce qu'il y a des victimes montréalaises, québécoises? Évidemment, j'en sais rien, mais si tel était le cas, on pourrait à ce moment-là interpeller la Cour supérieure du Québec, là, sans aucun problème. Et sachant ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, ce sont des droits qui ne sont pas nécessairement similaires, mais quand même, bien, il pourrait y avoir un jeu d'influence. Là. En d'autres termes, la compagnie pourrait être joyeusement dans le trouble. Et là, encore là, qu'on se comprenne bien, moi, je parle strictement du volet civil ici, mais on pourrait ajouter à ça un volet criminel là, sans trop forcer, puis ça prendrait une seule victime, une seule plaignante de manière générale. Oui, puis c'est loin d'être réglé parce qu'on disait que c'est 700 000 vidéos problématiques là, qui ont été répertoriées. Pas moins de 706 425 vidéos pour être exact dans ce qui est rapporté dans l'actualité ce matin. Mais assurément là, qu'on est loin d'avoir closé tout ce que vous voulez, ce dossier-là qui continuera de faire énormément jaser, qui devrait peut-être même se ramasser dans votre salon à vous ou aux auditeurs qui entendent. Là, peut-être que vous allez être concerné à devoir prendre une décision dans plusieurs sphères. Allons dans ce dossier qui fait l'actualité un petit peu partout. Ça fait des lunes que le conflit israélo-palestinien perdure, une histoire de religion au préalable, de séparation de territoire. En ce moment, c'est comme si on dépeignait la Palestine comme étant les truands, Israël comme étant les victimes. C'est bien plus complexe que ça, Frédéric. Oui, non, c'est drôlement plus complexe. Puis moi, ça me désole, hein, parce que on n'a pas à choisir, Pascal. On n'a pas à choisir entre des victimes d'Israël et des victimes de la Palestine. Moi, en tout cas, je ne choisirais pas. La réalité, c'est que la Palestine, ce n'est pas le Hamas et le Hamas n'est pas la Palestine. L'autre réalité, c'est que le gouvernement de Netanyahou, qui flirte avec l'extrême droite, qui est un gouvernement colonisateur, qui opprime les Palestiniens, notamment ceux de la bande de Gaza, depuis plusieurs années maintenant, avec des blocus de toutes sortes, bien, oui, à quelque sorte, je veux dire, ils représentent, ils ont été élus, mais il faut savoir qu'en Israël, il y a des gouvernements qui sont très, très difficilement majoritaires, ça existe à peu près jamais, donc c'est toujours des jeux d'alliance. Et donc, en d'autres termes, on peut critiquer le gouvernement d'Israël sans critiquer le peuple juif. Ce que je trouve le plus déplorable, comme je te disais, c'est que moi, au final, c'est toujours un peu les civils qui en paient le prix. J'étais allé en Israël, j'ai, j'ai,
J'ai flirté avec la Palestine en 2018. Je suis allé à Tel Aviv, qui est peut-être la plus belle ville au monde. Je vais faire tout le monde à aller faire un tour là-bas quand ce sera un peu plus calme. Et tu sais quoi? Quand tu te promènes justement à Tel Aviv, tu vois des manifestations de Juifs, pour la grande majorité, contre le gouvernement de Netanyahou et contre ses politiques d'occupation, contre ses politiques de colonisation. Et peut-être donc des victimes là, durant les 4 derniers jours, des gens qui manifestaient contre, là. Oui, exact. Donc, en d'autres termes, il faut faire preuve de nuance. C'est ultra sensible, c'est ultra délicat. Et qu'on se comprenne bien, le Hamas, ce que fait le Hamas, ça peut pas être plus dégueulasse que ça. Le Hamas, on va employer les vrais termes, là, est une organisation terroriste qui a comme objectif la destruction du peuple juif. Ça, c'est clairement établi, c'est écrit. Donc, moi, quand j'ai vu à Montréal certaines personnes qui avaient l'air d'appuyer les gestes du Hamas, franchement, c'est épouvantable. Là. Vous pouvez pas faire ça. Ceci dit, on peut continuer d'être en faveur d'un État palestinien, de la protection du peuple palestinien, tout comme on peut être en faveur de la défense du peuple juif. Donc, en d'autres termes, il faut être capable de faire, preuve de sensibilité en rapport à tout ça. Puis moi, ce qui était ressorti de mon petit séjour là-bas puis de mon reportage, c'est ceci. C'est qu'au final, ce sont toujours les civils qui paient le prix de l'instrumentalisation politique. Toujours, toujours, toujours. Et ça, franchement, ça m'arrache le cœur. Si tu t'en vas à Jérusalem, bien, tu vas voir, il y a un quartier musulman. Et qu'est-ce qu'il y a à côté du quartier musulman? C'est le quartier juif. C'est limitrophe, là. C'est collé un sur l'autre. C'est comme un bloc appartement. Et après ça, oups, t'as le quartier chrétien. Et tous ces gens-là vivent ensemble sans aucun problème. Tel Aviv, il y a le plus beau marché que j'ai vu de ma vie. Ça doit faire, je sais pas, X kilomètres carrés. C'est énorme. Mais un à côté de l'autre, t'as des juifs, des musulmans, des chrétiens. T'as des gens qui dansent ensemble. Ils font le party soir. Le drapeau d'Israël, là, le plus grand vendeur de ce même drapeau-là, c'est une femme musulmane qu'il tient en ayant de business là-bas. Donc, en d'autres termes, ces gens-là, quand ils naissent, ne se détestent pas. Mais la politique a fait en sorte qu'on les a instrumentalisés, qu'on essaie de créer, de galvaniser cette même haine-là. Mm. Et la communauté internationale regarde ça aller. Et puis voilà. Puis ça, c'est franchement déplorable parce qu'au final, tant aussi longtemps que cette même communauté-là ne s'en mêlera pas, il n'y en aura pas de solution. Oui, puis d'autant plus que les nuances sont importantes. Puis moi, j'aime ça que tu les apportes ce matin. Puis en plus, parce que tu as vu une cohabitation certaine en Israël entre les deux peuples, du moins pour certaines personnes. Puis on ne peut jamais faire en sorte que des groupes qui sont, bon, dans une position ferme et violente, ça me nuise. Mais s'ils décident de prendre les armes, ces gens-là qui sont plus pacifiques n'ont pas nécessairement le contrôle sur eux, on s'entend. Hein? Je regardais un graphique là, sur Israël, Palestine et le conflit. Les coûts de pertes humaines de 2008 à 2023, puis je pense que c'est important là, quand même de le mentionner. Les Palestiniens, on était à 6407 pertes de vie. Les Israéliens, 308 pertes de vie. Ça explique quand même là, un peu les tensions et à quel point les Palestiniens étaient opprimés aussi depuis, tu l'as bien expliqué d'entrée de jeu, mais ils se sentaient opprimés depuis des années. On dit qu'ils ont monté, bon, on s'entend, c'est le Hamas dans ce cas-ci, un groupe sanguinaire là, qui n'ont pas vraiment de limites, mais par l'oppression, ça peut quand même amener, je pense, des gens à être très, très violents aussi, puis en vouloir aux uns, aux autres, qui briment un peu leur vie. Puis au-delà de ça, moi, j'essaie toujours de me ramener à ça, Fred, je ne sais pas comment tu vois ça, mais si ma famille, ma personne, ma vie était constamment sous tension parce qu'on me dit et on demande à un groupe de m'en vouloir, par exemple, en tant qu'identité, mm-hmm. donc en tant que personne, peut-être qu'à un moment donné, ma soupape va sauter. Puis je dis pas que c'est ce qui devait se passer, pas du tout. Attention, il ne faut pas prendre une généralité de mon propos. Il faut vraiment analyser avec nuance ce que je suis en train de dire. Mais l'oppression crée assurément, dans beaucoup de cas, la violence, non? Ah ben oui, mais ça c'est sûr. Puis tu sais, le gouvernement de Netanyahou puis d'autres avant lui violent le droit international hein, avec toutes les questions de territoire. Ça c'est connu, c'est su et c'est très objectivement reconnu là. C'est pas une surprise. Ceci dit, il y a rien qui pourrait justifier
le genre d'action qu'a mené le Hamas. Ça, pour moi, c'est clair aussi. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, ça revient un petit peu à ce que j'expliquais, c'est qu'on a créé cette haine-là. Et tu sais, ce qui est le plus déplorable là-dedans, c'est que les manifs en Israël étaient tellement fortes depuis quelque temps contre le gouvernement de Netanyahou qui flirte avec l'extrême droite depuis un bout de temps. Oui. Ces manifs-là étaient tellement puissantes qu'il y a même des militaires qui commençaient à remettre en doute la légitimité de ce gouvernement-là, imagine-toi. De leur propre gouvernement, là. Exact. Netanyahou était peut-être sur le bord de se faire botter le derrière éventuellement. Et là, paf, arrivent ces gestes monstrueux du Hamas. Qu'est-ce que ça vient faire, au final? Bien, ça vient sauver justement le derrière de Netanyahou, qui dit, bien, regardez bien ce qui va se passer avec Gaza et compagnie. En d'autres termes, on le réassoit au pouvoir, on lui accorde une certaine légitimité pour agir. Écoute, ça pourrait être arrangé avec le gars des vues que ce serait pas différent tellement que le timing est favorable à ce même Netanyahou. Puis moi, je trouve ça déplorable. Puis ça confirme un peu ce que je te disais, c'est que les Juifs sont pas d'accord majoritairement avec ce genre d'action-là. Mais évidemment, si tu leur demandes, est-ce que vous avez peur? Bien, c'est sûr qu'ils ont peur. Écoute, il y a eu des actions terroristes épouvantables et ils savent aussi que si les États-Unis les abandonnent, bien, c'en est fini là, de l'État juif. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de pays arabes, certains étant plutôt hostiles. Donc, ils vivent dans l'espèce de peur constante. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, t'as des Palestiniens qui se font opprimer au quotidien. Depuis quelques décennies, quand je parle d'oppression, là, moi, je suis passé, là, c'est des bidonvilles, là, très, très, très clairement, plus toute cette violence-là. En d'autres termes, quelle est l'issue de tout ça? Bien, ça prendra un autre camp David qu'avait organisé Bill Clinton à l'époque, en espérant un autre accord d'Oslo, puis en espérant là, qu'il se passe quelque chose de moyen, de façon un petit peu plus long terme, disons. Mais ça, c'est un autre point qui est très, très important, là, les Palestiniens puis leurs moyens de se défendre, c'est moindre. Souvent, ce qu'on voyait, c'était des bombes artisanales, c'était un ci, un ça, un ramassage de bouts de ferraille pour essayer de se défendre pendant des années, tandis que tout ce qui est armée israélienne a été monté avec énormément de moyens, fait qu'on s'attend à ce que si Benjamin Netanyahou se fâche, bien, comme c'est le cas en ce moment, et décide de contre-attaquer, ça soit, ma foi, extrêmement virulent comme violence, là. Puis il n'y aura pas de gens épargnés parce que, bon, ce qu'on a vu auprès du Hamas, c'est on a épargné personne puis on a tiré à bout portant. C'est atroce, les images qu'on voit. Finalement, c'est un carnage qu'on voit au Moyen-Orient en ce moment. Puis il y a des gens qui en profitent politiquement, on dirait. Parce que moi, c'est mon analyse personnelle ce matin. Là, à suivre, il va falloir que je me positionne encore plus. Mais Vladimir Poutine, le président russe, qui sort, qui prend parole et qui dit que le conflit entre Israël et le Hamas palestinien démontre l'échec de la politique des États-Unis au Moyen-Orient, sans dire que les États-Unis sont blancs comme neige, ils ont agi comme il fallait. T'sais, c'est quand même assez complexe là, à agir dans ce dossier-là. Mais lui, il est en train d'essayer de se positionner politiquement. Est-ce que je me trompe? Ah ben non, absolument pas. Puis moi, écoute, ça me bouleverse toute cette espèce de violence-là, parce que j'ai des amis d'un côté comme de l'autre. Tu as raison de dire que la riposte de Netanyahou va être absolument terrible, et j'insiste là, terrible. Ce qui peut être encore plus terrible, cela dit, c'est que ce qui est en train de se produire actuellement puisse devenir le foyer d'un conflit encore plus mondial. Mm. Et ça, honnêtement, ça n'est pas impossible. Tu viens de le dire, hein? Poutine s'est clairement positionné, il essaie de tirer un peu ses marrons du feu, en quelque sorte. On sait que l'Iran appuie le Hamas. Comment tout ça va se terminer? Écoute, franchement, je ne sais pas, là, mais disons que que tous les ingrédients sont réunis pour que ça se termine plutôt mal. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Je vois le temps. Je te laisse vaquer à tes occupations et finir le trafic de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là. Tu es avocat, chroniqueur, auteur et tu participes à leur CV. C'est toujours vraiment apprécié. Un grand plaisir. À bientôt, tout le monde. Bon début de semaine. C'est vraiment loin d'être facile, ce conflit-là. Puis, tu sais, ça prend encore là. Je reviens avec la force de l'actualité internationale, des gens qui ont des moyens d'envoyer des reporters sur le territoire. Entre autres, le Radio-Canada s'affaire à tout ça. Nouveau le fait aussi. Radio-Canada qui nous donnait certaines informations très tôt ce matin, comme quoi là, Israël soutient avoir sécurisé sa frontière, qu'elle partage avec la bande de Gaza. Et bon, ils ont aussi souhaité
lancé des offensives, des attaques. L'armée israélienne affirme qu'il n'y a aucun militant du Hamas qui a traversé la frontière dans les dernières heures. Et selon les plus récents bilans des autorités, on est à plus de 900 personnes qui ont été tuées en Israël depuis le début de l'offensive du Hamas samedi. 250 d'entre elles qui ont été assassinées lors du rave dont je vous parlais un petit peu plus tôt, là, qui se tenait à proximité de la bande de Gaza. Des gens qui s'amusaient tout simplement et qui se sont vus attaquer et tuer pour beaucoup. Les autorités israéliennes déplorent qu'il y a 2616 blessés. Du côté palestinien, on est à 687 personnes qui ont été tuées et 3727 qui ont été blessées. C'est absolument atroce de voir à quel point ça va être difficile de contrôler ce qui va s'y passer. Pas parce qu'on veut avoir le contrôle, mais parce qu'on veut que ça cesse. Mais là, les tensions sont tellement vives, sont tellement extrêmes. C'est la détresse humaine, c'est l'émotion. Et là, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF ont demandé l'établissement d'un corridor humanitaire vers la bande de Gaza. C'est ça, donc on voyait ce matin, là, c'est sous un siège total de la part du gouvernement israélien. Et les autorités israéliennes ont coupé l'approvisionnement en essence, en électricité, en eau. C'est vraiment, vraiment spécial ce qui se passe. Et comme Frédéric Bérard le disait, ce qui est un petit peu épeurant dans tout ça, c'est de voir comment est-ce qu'on va réussir à gérer, aider ou du moins amenuiser les tensions actuelles du côté d'Israël et de la Palestine, pendant que nous, comme à l'international, au Canada, on essaie de se positionner, mais c'est avec tant de nuances. Le premier ministre Justin Trudeau, qui a assisté hier soir à un rassemblement organisé par la Fédération juive d'Ottawa en soutien aux Israéliens, c'est quand même complexe. On peut se retourner contre le Hamas, on le déclare, les membres du Hamas sont des terroristes. C'est pas des gens qui défendent la Palestine pour des bonnes causes et autres, là. C'est vraiment des gens qui ont grandi dans la violence, le souhait d'être violent, le souhait de défendre, le souhait de protéger leur population, mais en ayant des activités quand même déplorables. Puis autant du côté de la Palestine que du côté de l'Israël, il y a un mélange des cultures puis une acceptation de l'autre peuple qui se vaut et qui se veut. Fait que c'est ça qui est compliqué à l'intérieur même des deux territoires. Il y a des gens qui militent pour que ça cesse tout ça et qu'on soit dans l'acceptation de l'un et l'autre. Ouf! On va continuer à en parler, essayer de vous vulgariser tout ça au courant de la semaine. Assurément qu'on reste sur le dossier. En attendant, les vulgaires machins, être comme un, ici à Boulevard 102.1.